Elliott Meira, un match serré ce soir avec une défaite 3-2 contre Turgovie. On a vu un bon début de match de Sierre. Les 10 premières minutes, vous avez eu pas mal d'occasions. Et après, pendant 40 minutes, on a l'impression que vous avez vraiment été dominé par Turgovie jusqu'à la réduction du score à 10 minutes de la fin. C'est aussi un sentiment que tu partages? Ouais, écoute, on voulait mieux commencer que contre Viège. Je pense que le premier tiers, c'était assez serré. Ensuite, ça s'est joué sur des détails. Voilà, on prend ce premier goal. Après, on prend le deuxième en boxe. C'est clair que Turgovie a poussé dans le deuxième tiers. Et ensuite, troisième, on a essayé de pousser à la fin. Et puis, ça n'a pas payé ce soir. Par rapport justement à la domination de Turgovie, est-ce que c'était vraiment une domination ou alors il y avait peut-être un petit manque d'énergie de votre côté? On sait qu'il y avait 2-3 joueurs qui étaient un peu blessés, comme l'avait dit Dani dans le Nouvelle Liste. Qu'est-ce que c'était la raison de la domination turgovienne pendant 40 minutes? Ouais, on a peut-être 2-3 joueurs un petit peu affaiblis par des blessures. On essaie de ne pas y penser, puis le contexte il est comme il est. Après, c'est clair, ce soir, Turgovie, c'est une équipe qui patine dans les deux sens de la glace, donc c'est clair qu'ils poussent et ils backcheck aussi très fort. Donc peut-être c'est ça qui fait que ça se voit, mais nous on essaie de mettre le contexte de côté et puis de faire le job sur la glace et essayer d'aller chercher des points. Merci beaucoup Elliott, et on espère que la Chessière prendra des points jeudi soir à Langenthal.